tous autour de moi. Écoutez-moi, c'est très important. Nous allons nous séparer en deux groupes. Il y aura le groupe des castors et le groupe des écureuils. Mathieu, viens à côté de moi. Toi qui faisais partie du groupe qui a gagné le jeu de piste la dernière fois, c'est toi qui partiras cacher le fanion. C'est le premier groupe qui le trouvera qui aura gagné. Ouais. Mathieu, as-tu de quoi manger? Oh oui, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac à dos. Quant à nous, nous allons pique-niquer pendant que Mathieu ira cacher le fanion. Moi, je connais tous les chemins de la forêt, le ruisseau et la vieille cabane abandonnée. Je connais tous les trous où se cachent les lapins. Les grands racontent qu'il y a aussi des loups dans cette forêt, mais moi je ne les crois pas, et puis ça ne me fait pas peur. C'est drôle, il y a toutes sortes d'animaux étranges. Et puis je pourrais grimper aux arbres. Je connais par cœur tous les endroits où l'on peut se cacher. Il leur faudra aux autres beaucoup de patience pour me retrouver. Allez, je pars vite me cacher avec le fanion. Vite, vite. Cache-toi bien. Tenez, ma grand-mère nous a donné un bon pâté de campagne. Vous allez voir, il est délicieux. Elle a préparé pour vous. Mmh. Oh, Mathieu va sûrement cacher le fanion dans un arbre. Je le connais, il adore grimper aux arbres. Mais non, c'est dans un trou de lapin qu'il va le cacher. Souviens-toi, il nous parle toujours de ce drôle de lapin qui court toujours derrière lui. Un lapin? Moi, j'ai jamais vu de lapin qui courait derrière les gens. Taisez-vous et partons chercher le fanion. Le groupe des castors par ici et le groupe des écureuils par là. Oh, mais qu'est-ce que j'aperçois? Mais c'est un pique-nique! Quelle merveille! Voyons. Mais c'est du pâté? Du pâté! Mais c'est du pâté de lapin! Quelle horreur! Vous l'avez trouvé? Non! Il est tard! La nuit commence à tomber. Je vais faire l'appel. Muriel? Présente. Alexandra? Présente. Laurent? Présent. Caroline? Présente. Sandrine? Présente. Céline? Présente. Aude? Présente. Mathieu? Mathieu.
vieux chez ses parents. Merci, merci, mademoiselle. On voudrait bien rentrer chez nous. Oh, je partage votre peine. Pardon pour ce voyage, me chercher avec vous. Pardon, c'est... Chêne m'a raconté votre peine et je vais tout faire pour vous aider. Tous mes amis de la forêt vont venir ici dans cette clairière. Ainsi, tous ensemble, nous rechercherons votre petit copain Mathieu. Et alors, commencera un mystérieux voyage. Monsieur Chêne, vous voulez me dire quelque chose? Marie-Rose, venez. Venez près de moi avec les enfants. Marie-Rose, voyons, 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 quelle surprise! Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. L'écureuil c'est mon ami, il connaît Jeannot Lapin. Quant à la chouette si jolie, elle voit tout la nuit. Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. Chantez très fort avec moi la phrase Jeannot Lapin. Allez, je commence, on y va. Vous avez tous reconnu notre ami Jeannot Lapin. Il est rond et bien dodu, notre ami Jeannot Lapin. Non, 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 arrêtez l'orchestre, ça ne va pas du tout. Jeannot Lapin, ne pleure pas, tu vas voir. Je vais tout leur apprendre. Ils vont très, très bien chanter avec nous. Écoute bien, Jeannot Lapin. Vous vous souvenez, mes enfants, on chante Jeannot Lapin. Allez, montrez-moi comment vous chantez très, très bien. Encore plus fort. Très, très fort. Eh bien, c'est formidable. Et vous, comment faites-vous? Jeannot Lapin. Eh bien, c'est formidable. Viens voir, Jeannot Lapin. Viens voir. Tu entends? Tu entends cette jolie chorale? La plus jolie chorale de France. Écoute, pour toi, Jeannot Lapin, on va tous rechanter. Écoute bien, Jeannot Lapin. La 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 la, Jeannot Lapin. La 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 la, Jeannot Lapin. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Jeannot Lapin. Orchestre, s'il vous plaît. Vous avez tous reconnu notre ami Jeannot Lapin. Il est rond et bien dodu, notre ami Jeannot Lapin. Il va chercher des noisettes qu'il ramène dans sa casquette pour les enfants en cachette, notre ami Jeannot Lapin. Mais dites-moi, madame la chouette et monsieur l'écureuil,
Je ne vous ai pas entendu chanter. Voulez-vous chanter? Non, mais... Je vous invite à danser au Monsieur Chat-Noël-Lapin. Avec moi, venez dîner au Monsieur Chat-Noël-Lapin. Oh, merci, mes chers amis. Je ne sors jamais la nuit. Sans ma femme, mes petits lapins, moi, je suis Chat-Noël-Lapin. Jeannot Lapin, on vous aime, chers amis, chantez avec nous aussi. S'il vous plaît, et ce refrain avec nous, Jeannot Lapin.
Ah, ce vent est impossible. Il n'arrête pas de me décoiffer. Monsieur Chêne, vous rendez compte, il avait raison, Jeanne Lapin. C'est terrible. En ce temps, c'est terrible, terrible. Madame la Chouette, allez vite lui chercher une brosse et arrangez-lui sa mèche, il sera tellement heureux. Oh, Marie-Rose, comme il est beau, monsieur le Chêne. Ah, tu sais, monsieur le Chêne, c'est notre grand-père de la forêt. Un jour, il m'a offert cette jolie maison. Et depuis, je ne la quitte plus. Monsieur le Chêne, vous êtes un ami fidèle. Monsieur le Chêne, vous savez le cœur en peine. Oh. Quand certains hommes en veulent à votre personne. Monsieur le Chêne, vous savez que l'on vous aime. Avec moi les enfants. Monsieur le Chêne, vous êtes un ami fidèle. Monsieur le Chêne, vous avez le cœur en peine. Quand certains hommes en veulent à votre personne. Monsieur le Chêne, vous savez que l'on vous aime. Bon, mais monsieur le Chêne, vous voulez chanter? Allez, on vous écoute. Oh, quelle jolie voix. Vous chantez très très bien. Thank you.
Wanda, quelle chance que tu sois avec nous. Tu as fait un bon voyage. Tu es arrivé de Chine. Mais comment es-tu arrivé? Oh, avec cette voiture. On n'en a pas une comme cela en France. Dis-moi, Jeanne Lapin, viens vite voir. Il faut que tu l'emmènes absolument se promener dans la jolie forêt de France. Tu veux bien, Jeanne Lapin? Et en même temps, il faut que tu retrouves notre petit copain Mathieu. Il faut que tu le cherches partout et préviens tous nos amis dans la forêt. Au revoir, mon petit panda. Au revoir. À bientôt. Vous savez, mes enfants, c'est un animal très rare au monde. Il en existe quelques-uns peut-être en Chine ou dans les grandes forêts de l'Himalaya. Et ici en France, il faut beaucoup l'aimer et le protéger. Oh, regardez, ma poupée de chiffon. Je vais vous raconter l'histoire. Elle est arrivée dans ma vie pendant que j'allais sous la pluie. Ce jour-là, sous un parapluie, une marchande vendait une poupée si jolie. Mon regard a croisé le sien, puis elle m'a tendu ses deux mains. Je l'ai aussitôt achetée, cette poupée qui ne m'a jamais plus quittée. Toi, ma jolie poupée de chiffon, tu t'habilles vraiment comme un garçon. Et tu danses toujours sur la musique nuit et jour. Toi, ma jolie poupée de chiffon, si je t'appelle Marie Chiffon, c'est qu'il fallait te donner un nom. Marie, Marie, Marie Chiffon. Il fallait qu'elle ait un métier, alors je lui ai conseillé le dessin, la mode, la couture, ou le cinéma et la littérature. Mais je sentais qu'elle n'était pas faite pour tous ces métiers-là. Elle danse, elle n'aime que ça, dans tous les pays où la conduit sa vie. Moi, ma jolie. Très bien, hein? Il va falloir les petits lapins que vous veniez avec elle et que vous appreniez à la maison à danser. Je vous la prête, mais faites très attention. Elle est toute en chiffon. Tout doucement, emmenez-la à la maison. Tout doucement, et vous allez voir le joli cours de danse qu'elle va vous donner. Au revoir, ma poupée de chiffon. Au revoir. Au revoir. Dites-lui au revoir. Au revoir. Écoutez. Écoutez. Oh, ça y est, elle arrive. Elle arrive avec sa voiture. Oh, mon Dieu. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui, mais voilà, il fallait trouver un surnom, elle n'en avait pas. Mais son papa qui se trouvait là a dit, puisqu'elle ira en classe ici à Cloche et les Bécasses, moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Bécassine,
quelle joie de te retrouver. Dis-moi ce que tu es jolie. Ah, j'adore cette robe. Tourne-toi, tourne-toi, ma gentille cousine. Oh, quelle élégance. Regardez-la, comme elle est belle. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, mais comme c'est drôle. Mais non, mais n'aie pas peur, cousine, on est entre nous. Fais voir, gentille cousine. Oh, fais voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est joli. Ah non, non, ça, je connais. On connaît la sortie à ton sac. Non, non, là en dessous. Oh, comme c'est drôle. Oh, fais voir, cousine. Oh, oh, quelle élégance. Mais moi, voyons, voyons, fais voir un petit peu plus haut, comme ça. Comme c'est drôle. Ah non, oh, cousine. Oh, mais cousine, cousine. Non, enfin, ma cousine, tu te rends compte? Tu sais, je représentais tous mes amis. Et puis, bonjour, Bécassine. Bonjour. Et puis là, voilà tous mes amis de la forêt. Il faut que je te parle, ma gentille cousine. Il s'est passé une chose étrange ici. Figure-toi qu'on a un petit copain, il s'appelle Mathieu. Et il s'est perdu, tu vois. Il est en train de cacher un fanion, de faire un jeu de piste avec tous ses petits copains, puis il s'est perdu. Il faut absolument que tu nous le retrouves. Toi qui la connais par cœur, cette forêt. Il faut que tu nous aides, cousine. Cours vite! Cours vite, va le chercher! Aidez-le, nous sommes ici dans la clairière! Cours vite, Bécassine! Au revoir! Au revoir, ma gentille cousine! Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs! Cher Marie-Rose, me voilà si heureux de me retrouver ici parmi vous. Oh non, ne criez pas au loup! On dit pourtant que vous êtes méchant. Mais non, j'adore les petits enfants. Mais ne serait-ce pas pour les manger? Marie-Rose, vous plaisantez! Je ne suis pas un loup-garou. Je suis un loup très doux, très doux. N'ayez pas peur, messieurs, mesdames, ce loup est un vrai gentleman. N'ayez pas peur de lui, ce loup est un ami. Je ne suis pas un loup-garou. Je suis doux comme un roudoudou. Ce loup est un loup que l'on aime. D'ailleurs, tous ses amis l'appellent. D'ailleurs, tous mes amis m'appellent Loulou. Ne mentez pas, il y a votre nez qui bouge. Parlez-moi du petit chaperon rouge. Oh là vraiment, moi je n'y suis pour rien. C'est un sale coup de mon cousin. Votre cousin est un sacré voyou. Mais on ne se fréquente pas du tout. Et pour la chèvre de Monsieur Seguin, c'est pas moi, le savez bien. Je ne suis pas un loup. Je suis un loup très doux, très doux. N'ayez pas peur, messieurs, mesdames, ce loup est un vrai gentleman. N'ayez pas peur de lui, ce loup est un ami. Je ne suis pas un loup-garou. Je suis très doux, très doux, très doux, 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 doux. Ce loup est un loup que l'on aime. D'ailleurs, tous ses amis l'appellent. D'ailleurs, tous mes amis m'appellent Loulou. Loulou. Ce n'est pas un loup-garou. Minou, minou, on n'a pas peur du loup. Ce n'est pas un loup-garou. Mais nous, on n'a pas peur du loup. Il est doux comme un
faire peur, il est très très gentil. Il m'a tout raconté. Vous savez, mes enfants, il s'appelle Loulou. Mais c'est son cousin qui est terrible. Lui, le petit chaperon rouge. Mes enfants. Oui, monsieur Charles. Je vais vous aider à retrouver votre ami. Merci, mais monsieur pour cela, il faudra combattre les quatre éléments qui composent le monde. La terre, le feu, l'eau et l'air. Souvenez-vous bien, Marie-Rose. La terre... On va répéter très fort. La terre! Le feu... L'air. Monsieur Chen, vous allez nous aider aussi? Marie-Rose, n'oubliez pas que je serai à tout moment près de vous. Ma voix vous accompagnera et je vous aiderai chaque fois que vous aurez besoin de moi. Oh, merci, monsieur Chen. Courage, Marie-Rose. Courage. Merci, Jeanne au Lapin. Venez, mes enfants, il fait nuit. Ne nous perdons pas. Tu chantes dans la nuit, Mathieu! Mais tu sais, on ne te voit pas! Regarde, on a des petites lumières! Il faut que tu reviennes! Tu reviennes vite vers nous, Mathieu! On te cherche partout, tu sais! Il a disparu! Il a disparu, mes enfants! Il va falloir aller sous la terre, comme nous l'a dit Monsieur Chen. Je connais des galeries souterraines! Venez! Et pour nous donner du courage, nous allons chanter! Venez! Regardez, mes enfants, des galeries souterraines. Attention, tout doucement, descendez avec moi. On va chanter, vous allez voir. N'allez pas avoir peur. La 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 la. Et
sereine. J'étais venue souvent avec Jeanne au lapin promener. Mais Lara était tellement gentille en ce temps-là. C'était nos amis. Et puis aujourd'hui, ils venaient nous attaquer. Oh, Marie-Rose, heureusement que tu étais là. Sinon, les rats nous auraient dévorés. Et tu te rends compte? Je croyais qu'allait arriver des petits amis. Ils sont drôles. Ils vont sûrement nous aider. Ils sont pointus, 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 pointus. Appelez très fort! Il faut qu'ils nous aident! Hérisson! 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 Les voilà! Mickey par-ci, Mickey par-là. Voici les parents hérissons. Mickey par-ci, Mickey par-là. Voilà les enfants hérissons. Piquant par-ci, piquant par-là. Faites attention, c'est pour rien, pour une peccadille, ils se mettent en boule pour de bon. Mickey par-ci, Mickey par-là, voici les parents hérissons. Mickey par-ci, Mickey par-là, voilà les enfants hérissons. Piquant par-ci, piquant par-là, il ne faut pas. Arrivé. Figure-toi qu'en descendant sous la terre, nous avons été envoyés par Monsieur Chêne. Il s'est passé une chose étrange. Tous ces rats qui étaient nos amis nous ont attaqués. Mais que se passe-t-il, Mickey? Mais je ne te reconnais plus. Mais pourquoi as-tu peur? Mickey, mais reste avec nous. On est tous seuls sous la terre. Oh! Oh, comme c'est étrange. Cette nuit noire et glacée dessous la terre, entre les racines et les trous, les vers de terre, on ne sait ce qui peut arriver par derrière. On a très peur, on voudrait revoir la lumière. On tremble, on rit, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Quand surgit un insecte extraordinaire. C'est le papa mille pattes, il avance, il recule.
Jamais je n'ai vu une bête aussi terrible danser le tango, se déhancher comme une chenille. C'est effrayant de voir ses pattes et ses chevilles en habit noir avec sa canne comme il s'habille. Si près de moi en chapeau claque le décadence, après le break dance, voilà qu'on danse de mes battances. Nous avons parcouru des forêts pour retrouver notre ami Mathieu qui s'est perdu.
Nous sommes descendus sous la terre et nous voilà arrivés jusqu'ici pour parler au dragon bleu. Nous aimerions tellement le rencontrer, car lui seul sait tout ce qui se passe sous la terre. Hippocampe, hippocampe, je crois qu'ils vont m'aider. Hippocampe, hippocampe, ils vont le décider. Le dragon, hippocampe, si jamais on le voit. Hippocampe, hippocampe, il nous écoutera. Approchez Marie-Rose, n'ayez pas peur de moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Mais un jour les hommes ont voulu me capturer, alors ils m'ont blessé à l'oreille. Et c'est à cause de cela que je n'entends plus très bien. Approchez plus près de moi et venez dans ma main. Plus près, plus près, tout près. Vous irez au fond de la mer et là vous verrez une petite sirène. Bonne chance, Marie-Rose! Bonne chance, mes amis! Ici, loin de ceux de la terre, seront peut-être bien guider notre chemin.
qu'elles comprennent que nous cherchons sans fin notre petit copain. Sous la terre et nous avons rencontré le feu. À présent, nous sommes sous la mer, mais nous n'avons toujours pas vu Mathieu. Oh, regardez cette vieille épave. Je vois c'est quelqu'un. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a personne. On est tout seul, mes enfants. On est tout seul sous la mer. Écoutez. Marie-Rose, je vous présente les poissons. Oh! Bonjour Marie-Rose, savez-vous que nous sommes en pleine répétition pour l'opéra comique? Oh! Des poissons qui chantent! On rêve! À quelle imagination, au royaume des poissons, Monsieur Calamar dit qu'un éléphant sur un fil à traverser l'océan. À quelle imagination chez ces petits polissons. Et cette histoire d'éléphant sur un fil, c'est pas vrai, c'est un poisson d'Ari. C'est pas vrai, c'est un poisson d'Ari. À quelle imagination. On dit que Monsieur le Thon jusqu'à Paris a remonté la Seine pour devenir célèbre sur la scène. Sur la scène de l'opéra, il a chanté la Tosca, faisant trembler tous les murs de la ville. C'est pas vrai, c'est un poisson d'Arine. C'est pas vrai, c'est un poisson d'Arine. Au fond de la mer, comme sur la terre, l'important c'est de s'amuser. Parfois les histoires difficiles à croire sont plus drôles que la vérité. À quelle imagination toute la famille Espadon qui se tenait les nageoires coude à coude est devenue vedette à Hollywood. Nous on
fini nos répétitions pour le grand opéra de la mer. Attendez, attendez, poissons. Il faut que je vous parle. Écoutez-moi, les poissons. Mais écoutez-moi. Oh, ils ne pensent qu'à leur opéra de la mer. Marie-Rose, ne sois pas triste. Je sais que l'on retrouvera Mathieu. Mais tu sais, les poissons auraient pu nous aider. Ils connaissent si bien la mer. Marie-Rose. Oui? J'ai entendu parler de toi au royaume des poissons. Oh, ma petite sirène! Quelle chance de te rencontrer. Tu sais, Monsieur Dragon nous a déposé tout au fond de la mer. Et puis te voilà arrivé. J'ai tellement de choses à te dire. Monsieur le dragon bleu m'a dit de vous remettre ce coffre. À présent, je dois vous quitter, car les poissons ne doivent pas me trouver en votre présence. Bonne chance, Marie-Rose. Au revoir, ma petite sirène. Regardez, regardez, mes enfants, ce coffre. Marie-Rose, suis cette lumière. Elle te guidera vers le ciel. Et tu deviendras magique, comme elle. Regardez, la lumière. Mathieu, le chant de la lumière. Thank you.
Geppetto t'a fabriqué un matin, gentil petit Pinocchio. Ce menuisier italien, hélas, n'avait pas d'enfant. Alors il fit un pantin dans un morceau de bois blanc. Petit copain Mathieu. Tu sais, Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio! Bienvenue, Marie-Rose, au carnaval de Venise. Regardez les personnages qui chantent et dansent avec moi. Mais parmi ces personnages, connaissez-vous celui-là? On le voit sur les images, bossu derrière et devant. Polichinelle,
colombine et harlequin. Mes amis, regardez ce merveilleux cadeau du ciel. Il vous permettra de poursuivre ce mystérieux voyage. Oh, merci, monsieur Dragon Bleu, de veiller sur nous. Regardez la cloche. Elle quitte la vieille horloge. Elle s'envole dans le ciel. Elle vient peut-être nous chercher. C'est elle, le mystérieux voyage. Sera le plus beau souvenir.
au paradis. Mathieu. Tout est perdu. Il y avait des cassines, un petit panda, et puis si Snoopy, et puis Babar. Ils voulaient tous partir tout au fond de la terre. Et là, on a rencontré un mille pattes géant. Il était drôle, tu sais. Et aussi un dragon bleu. Il nous a pris dans ses mains. Il nous a déposés tout au fond de la mer. Et puis là, Mathieu, on a vu une petite sirène. Elle nous a donné la lumière. Et tu chantais, Mathieu, dans cette lumière. On ne te voyait jamais. Et puis t'as disparu, à Venise, où tu nous as tous emmenés. Il y avait une jolie fête pour nous tous, tu sais. Et après la fête, on s'est tous endormis. Et tout d'un coup, dans le ciel, est arrivée une cloche, tout là-haut. Elle est venue nous chercher. On est montés dedans. Et on a fait un mystérieux voyage au paradis, où nous avons tous retrouvés. À la maison. Tu te souviens, la forêt? Merci, merci, mademoiselle. Il faut se quitter à présent. Allez.
voyez, mes enfants, un jour vous serez grands et vous parcourrez un chemin difficile, celui de la vie. Il vous faudra alors beaucoup d'amour et de courage pour faire ce mystérieux voyage. Heureux d'avoir joué pour vous cette comédie musicale, Le Mystérieux Voyage. Je voudrais vous dire à vous tous, un jour, on s'est rencontrés sur un chemin, celui du rêve. Et aujourd'hui, vous êtes tous là. Et grâce à vous tous, moi aussi. Je vous aime. Je voudrais que vous remerciez très fort, que vous applaudissiez très fort.
tous les danseurs et danseuses qui ont dansé pour vous. Ils ont été merveilleux. Bravo! Et puis vous, les enfants, j'aimerais tellement vous entendre crier très fort un grand bravo aux enfants qui ont joué et dansé pour vous. Bravo! Et aussi un grand bravo à notre petit Mathieu. Vous l'avez tous retrouvé. Bravo! Et puis je voudrais remercier celui qui a inventé cette belle histoire pour vous tous, qui nous a donné ses musiques, ses chansons. Il en est aussi le metteur en scène. C'est un grand magicien. Et j'espère que longtemps il écrira de jolis spectacles pour vous. C'est Jean-Jacques Debout.